Mais je crois maintenant que t'as plus de protection, ça arrive moins ça. Que tu vois, avant quand t'avais des protections de decay, donc pas le millénaire bien sûr, mais pour descendre d'Elo. Mais imagine t'as un raid de fou, t'arrives genre en émeraude. T'arrives en émeraude 4, tu peux pas être démo, tu vois. Pas tout de suite, parce que t'as une très bonne AMR. Du coup, tu fais genre 4 games ou 5 games, tu vas faire genre 5 lose. Et dans l'absolu, ça impacte pas énormément ton win rate, mais ça va détruire ta AMR parce que en fait, ton elo ne va pas bouger. Et du coup, la différence entre ton elo et ton MMR, bah, la MMR va beaucoup descendre et lui, il va pas bouger, tu vois. Alors qu'habituellement, quand t'es genre comme ça, tu perds, bah ton elo descend et ta MMR descend aussi, tu vois. Mais genre, c'est ça. L'écart entre les deux se réduit un petit peu, mais pas autant que. Pas autant que si tu perdais vraiment d'LP en fait. Aïe! Sa mère, le coup de tourelle. Non. C'est mal payé, c'est mal payé. Mais encore l'ulti de Sonata de up, c'est vraiment dommage qu'elle ait pris deux coups de tour parce que. C'est mal payé encore. Oh, t'as de la chatte en fait. C'est le chat, donc c'est dit qu'il leur dit d'aller jouer MF. En gros, ouais, Sacha, bon, t'as répondu, mais en fait, je fais une croisade anti-MF. On va crash mid. À coup, on a 3 void. Les plays vont fade malheureusement, mais il y a moyen de vite un peu mid lane, je pense. J'ai juste pas de flash, donc faut que je fasse gaffe. Ah, top, il se fait dive. Ah, dommage, le cul. Ce qui est bien avec Sona, c'est que t'as une menace directe à Zeri. Ça, c'est pas mal. Hein. Je peux me permettre de jouer un peu comme un fou, du coup, parce que. À tout moment, elle arrête Zeri. Avec un ulti, on lui met vraiment sa part. Hein. C'est bien si on pouvait le tuer aussi au top. Hein. Je sais pas si Kha'Zix pourra, hein. Normalement, il est mort. Ouais, je pense qu'il peut def, moi je push. Allez avec Kha'Zix. Exonal, on a rien à foutre de notre jungle. Hein. Je vais péter mon crâne à la place de caisse. Vas-y, je vais back. Il va manquer. Il va manquer 100 gold. Même pas, non, c'est bon. C'est vrai que c'est 600 même. Pixel. Pixel, spike 2 items avec votre rang 2. Pourquoi est-ce que j'utilise pas mon W? En fait, le W, regarde, tu vois, quand je me déplace, je suis montré sur la wave. Pas de blue buff, mais c'est pas 52 mana. En fait, quand je tape un mec. Si je W, je m'arrête, tu vois. Et du coup, en fait, ça fait que ça me limite dans les dégâts que je peux rentrer. Enfin, t'as des setups où je peux rentrer moins de dégâts si je W. Mais si juste j'auto-attaque HQ. Pas du dash, pas pourquoi j'ai hésité.
juste mettre toute la wave. Prochain drake dans une 10. Oh. Grotesque, c'est ulti. Arrêtez de voler mes waves! Ça c'est une dinguerie! Ça c'est une dinguerie quand t'es mid lane. À partir de 15 minutes de jeu, t'es la pute! Tous les mecs qui passent te volent des creeps, genre c'est une dinguerie! Genre en fait, le truc c'est que tout le monde en prend un peu et les gens sont en mode, oh, j'en ai pris un peu, oui, fils de pute! Mais toi t'en as pris un peu, l'autre t'en as pris un peu, l'autre t'en as aussi pris un peu! Tout le monde taxe en fait! Je back. Je suis énervé! Un mid à hold. Et l'ulti. Pas bouger. Silas. Peut-être les 1v2. Aïe, faut que je touche un Q d'abord. Sur Azir. Je suis 1v2 personne. Il TP bot. Ah ouais. C'était un flash, mais je crois qu'il y avait un autre mec derrière. Ah, c'était Sage. Elle fuyait. Bon. Je fais du 1v1 ou 1v3, mais c'est. Je pense que TP autour de la mid lane, potentiellement sur cette ward ici, était peut-être plus intéressant que TP bot. Mais j'imagine c'est Silas, ouais, c'est Silas. Ouais, pas être surpris. Il se fait plus TMK slow et qu'il y a de la peine plus de l'état sur Ezreal. Ah, c'est pas fou parce qu'en fait ça slow que sur les targets qui sont en dessous de 50% HP. Donc les setups sont. C'est bien, tu vois, mais c'est rarement clutch par rapport à avant. Et t'as 40% d'arpène sur LDR, là où c'est LDR, l'arpène en pourcent, enfin, qui a un ratio avec ta létalité. Du coup, bah, ça t'en donne pas beaucoup, tu vois. Les stats de items sont plus intéressants parce que t'as de la CDR contre du crit. J'aime trop Ezreal, les gens ils pètent trop leur crâne. J'ai dashing sur ses Joanie, vous avez vu les... Comme ça l'a instantanément trigger. J'ai dashing sur elle, instant. Elle a fait 3 pas en avant sur moi pour mettre une auto-attaque. Mais qu'est-ce qu'il fait Ezreal, il a 30% HP, il me dash sur la gueule. Elle est morte du coup. Hop, les saoul. Yes. Et il se fait un V encore au bot. Il le gagne, j'y crois pas. J'y crois pas. Venez, 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 on a une masse dégâts. Ils ont pas à Azir.
Ouais non, il reste à dire quand même. Je suis pas obligé de tanker la tourelle hein, Kha'Zix. Ouais, j'y vais comme un fou pour qu'on puisse terminer cette game. GG. Putain! Elle était... anormalement difficile cette partie, je suis obligé de donner Arsenal, elle était trop grotesque. Ouais, je suis surpassé mon tilt, j'espère que vous êtes fiers de moi l'équipe 1. C'est 19 LP, ma MR est détruite. 9800 dégâts Kha'Zix. Oh. 9800 damage Kha'Zix, dernier au dégâts de l'équipe, presque de la game, presque.